dans la nuit lundi vers les 11h, presque minuit, nous te vin réveillé dans sommeil nous. Et c'est là ça nous joine de yowa, gen en pile buis, un gros vent et même porte ou pas gen chance pour ouvrir parce que et cyclone nan te gen tan fort. Mais de temps en temps, li fort, vent a vanté, mais on pas gen chance pour ouvrir même porte parce que même l'autre a essayé ouvrir porte pour ta sortir, garder comme en dehors yé, ou pas gen opportunité parce que faut ta dire c'est au monde qui t'a campé derrière porte là qui a poussé, mais ça c'est force vent. Le cyclone Matthew fin fait gros ravage dans grand sud pays a, Haïti futur te vin nan nécessité pour porter assistance bay victime yo. Haïti futur c'est une association qui habite intervenir surtout dans domaine éducation. Association habite mettre tableau numérique interactif dans plusieurs écoles et puis tout li intervenir dans domaine entrepreneuriat côté l'accompagner plusieurs ti entrepreneurs pour bay business yo jarret. Le cyclone Matthew passé, en pile moun pedi kayo, jardin yo ak bet yo. Cyclone nan pote ale en pile trois ti l'école, matériel ak founiti ki nécessaire pour ti moun yo apprenn. Tout matériel ou konnen en termes de papier, nous ta di 95% tout mouye et réduit, yo fait pâte, même banc. Vous pensez que c'est bois, yo, même si vous prenez de l'eau, mais vous pas t'accraser. Il y a un bois qui tombe sous l'école là. Et toute tête l'école là, c'est vraiment impressionnant pour ta wè. Après yon grand ouragan comme ça, pour yon l'école détruit. Nous t'a dit, c'est celle mieux que tu es campé. Rapide, démarche commence à faire pour élèves pas perdre à l'école là. Équipe Haïti Futur qui sous place dans le district Campérin-Maniche, dans le département Sud PIA, collaboré avec l'autorité locale et spécialement inspecteur ministère éducation nationale pour le district pour faire recensement l'école. Yo arrivé à compter 102 l'école dans Campérin et puis 50 dans Maniche. Deux tiers dans l'école, ça a été subi gros dommage. Dans le département Grandens, l'association a décidé de tout collaborer avec une dizaine l'école dans la ville Abricot. Côté plaisir, Timon t'a déjà bénéficié tableau numérique interactif là. À cause de moyens qui limité, Haïti Futur t'est obligé d'établir une série de critères pour choisir l'école qui a bénéficié du programme reconstruction 3 tio. Premièrement, il faut l'école là et un gros effectif. Parce que la période ça, objectif nous c'était faire que Timon retourne à l'école le plus vite possible. Parce que il n'y a pas grand caille. Il n'y a pas l'école. Donc, nous choisissons l'école qui a un gros effectif là. Et il faut que l'école ça te admette tout pour te recevoir deux groupes ou l'autre l'école. Donc, chaque fois que nous réparons l'école, c'est comme si c'était l'école qui nous permet de retourner, reprendre. Deuxièmement, nous faisons une sorte de répartition géographique parce que là, en période comme ça, urgence, route coupée, nous avons tendance à dire qu'on fait toute l'école là en boucle. Nous disons non, il faut toute section rurale bénéficier de ça tout. Troisième objectif là, inspecteur a aidé nous choisir que l'école là sont l'école qui compte bas les résultats. L'école là sont l'école qualité. Et quatrième critère que nous avons gagné, faut que l'école ça yo, si grand l'autre organisme qui est intervenu, par exemple grand l'autre organisme qui était comme fait la trine, qui était comme fait l'autre bagaille dans l'école là, nous dit n'a privilégié l'école ça yo pour nous travailler ensemble avec l'autre organisme ça yo qui était déjà partenaire à l'école. Haïti Futur choisit parmi l'école qui perdit 3 tiyo seulement dans le cyclone. Nan. Moyen association pas permettre de reconstruire l'école en entier. Objectif association, c'est permettre l'école de bénéficier bon jan couverti pour que les gens rentrent dans la classe bien vite. Kounia, nous venons dans un domaine que nous battons jamais la construction. Nous avons construit l'école. Nous avons aidé à réhabiliter l'école. C'est parce que, premièrement, nous avons gagné et en pile l'école qui crase. Nous sommes déjà partenaires avec eux dans le programme tableau numérique, là, justement. Donc, nous n'avons pas qu'à croiser les bras nous pour nous dire qu'ils auraient fait l'école. Donc, il faut faire preuve de solidarité avec les responsables de l'école pour nous reconstruire. Même si ce n'est pas seulement l'école qui est dans le tableau numérique qui a reconstruit. Deuxième raison, c'est que nous avons une équipe nous, déjà sous place. Donc, nous avons un ingénieur sous place, nous avons une équipe nous. Qui était habitué à travailler dans le programme éducation numérique là, que nous avons mobilisé. Et puis, troisième raison, même c'est que lorsque on bagaille ou mal arrivé, c'est là pour profiter pour apprendre. Donc, nous avons dit, nous avons profité pour nous porter deux méthodes
qui te doit exister déjà dans le pays, mais qui pas existé pour construction était cap plus durable puisque nous connaissons Haïti, dans zone nous placer dans zone cyclonique. Donc nous t'ai dit n'a tout profiter venir avec construction paracyclonique pour nous te cap mettre méthode ça pour comme pour l'autre monde te cap imiter tout. Ambition construire toit l'école à partir technique paracyclonique, c'est belle bagaille. Mais bon ça couvrir dans zone ça yo pas habitué avec bagaille comme ça. C'est pour ça Haïti Futur t'a collaboré avec l'Institut diocésain pour formation Bossio. Comme ça, moun nan zone nan souvent qui ses parents élèves tout capable travailler sous chantier. Il a joint moyen l'argent pour fonctionner et puis tout, il a tout développé compétences dans technique pour construire caille qui ca résister pi bien en bas vent avec la pluie cyclone. Yon nan objectif projet réparation toit l'école yo, c'est pour toute dépense projet ça fait dans une zone profiter ak moun nan zone nan. C'est peut-être ça tout ouvrier ak bosse charpente yo, c'est moun ka vive dans zone nan. Toute dépense pour acheter matériaux pour transporter yo fait ak moun ki nan zone nan. C'est yon façon pour ba économie zone nan bourad si tout l'el fin prend un gros choc tant que cyclone Matthew. L'école diocésaine des arts et métiers commence à former Bossio dans l'école évangélique Baptiste Pico. C'est à la fois un chantier qui tout servi pour apprendre Bossio toute technique pour construction toiti paracyclonique. À partir performance, il a sélectionné quelques boss pour servir comme chef chantier et puis assistant chef chantier. C'est comme ça que Bossio va diviser en plusieurs équipes qui vont exécuter le même modèle de construction sur différents chantiers. Pour Bossio, le modèle de construction paracyclonique, c'était une nouvelle pratique. Dans le passé, il a été utilisé des bras qui sont les bras plés. Les bras plés sont des bras qui durent en pile, qui ont en pile résistance, mais là, il a été fait charpenter avec lui. Il a été mis trois trucs à la normale. Si on a 4 versants, à 3 versants, à 2 versants, tout. Il a été fait presque même, j'en presque quasiment avec ça. Mais c'est la différence. Il n'y a pas de mettre contre éventement ça en bas. Mais quand il y a là, pour le modèle de construction paracyclonique, ça, moins qu'à dire, c'est un modèle de construction qui est presque antisismique. Tout. Parce que dans ce sens, les faits là, quel que soit pour tremblement de terre, parce que quand le tremblement de terre venir, c'est va et vient comme ça. Et bien, toute partie qui est là, elle est prête en masse. Comprendre, si elle n'est pas crasée, toi tu n'as pas crasé. Au lieu que toi tu as crasé, toute elle là met tomber ensemble, mais toi tu n'as pas prêt à les quitter. C'est donc une toiture simple, mais avec des. C'est une toiture qui est simple avec une série de principes pour respecter. Il faut que chaque toiture soit connectée à la chaîne avec elle, donc à tout reste avec elle. Toiti a une forme triangle et il doit bien connecté dans trois points triangulaires grâce à renforcement en série baffets profilés. Après ça, l'échappement là taché bien solide à Crescocaila, nous mettez tol sous lui. Nous voulons pour tol bien taché sous lui pour ne pas chirer. C'est pour ça nous choisit tol bon qualité et puis nous renforcer yo avec une série fait plate. Disons qu'on applique dans nos constructions. Dans la construction, nous appliquons une série de principes qui fait yo plus solide et plus jam parce que kay qui était construit avant. Gen versant do kay la, faut que li penche dans un angle qui est en 30 à 45 degrés. Angle ça a pire parce que angle toit kay moun yo habitué faire yo. Nous assurer nous si gen galerie à couvent, yo pas connecté à toit principal là. Parce que vent a jeune plus espace pour lever yo. Si a voler, faut que yo pas dommager toit principal là. Après ça, nous choisissons plus bon qualité tol. Tol ça yo plus épais que ça plus fort moun couvri kayo. Sous tol yo, nous mettons une série de baffets toute longueur de kay la qui permettent tol yo connecter une clôt et puis par en bas pour yo connecter à clôt élément toit ti kay la. Ça yo c'est quelques principes nous respecter qui fait nous ka di construction en paracyclonique. Sous chantier, Bossio apprend à appliquer technique pour traiter bois pour bête pas ronger, une façon pour être capable d'y rester plus longtemps. C'est là tout, il a préparé toute tige métallique qui servait renforcement et stricti toitia. Il a appliqué peinture spéciale sur tige ça pour la rouille pas dégrader. Chaque chantier qui exécuté dans programme nan toujours porter une nouvelle forme apprentissage pour ouvrier. Il
Yo travaille en façon qui différent et puis modèle chantier à exécuter yo intéressé plusieurs monde dans zone yo. Et me senti formation hein. Ils font paquet de bagages dans vie parce que il y a des séries de bagages moi pas qu'on fait m'arrivé vinn puis polyvalent là-dedans. C'est comme si moi ça vient ranger esprit, ça vient rendre tout un travail plus raffiné parce que auparavant m'pas travail plus raffiné comme ça parce que me t'ai droit travail n'importe façon. Là vinn travailler comme ça, ça vient rendre demain qu'importe monde après l'eau, yo bon sentier ça yo dou utiliser sentier ça faire sentier ça pour lui, faire le marché. Tipa, en bas supervision volontaire Haïti Futur yo, chantier yo avancé. Chaque chantier gen plan pal ak modèle exécution. Grâce à formation yo te suivre, chef chantier yo en mesi pour li plan yo, interpréter yo et puis exécuter yo. Trois types paracycloniques yo, yo rive imposé yo dans environnement yo construit yo. Dirigeant l'école qui bénéficie yo, manifeste gros satisfaction pour travail yo. Yo gen assurance ti moun yo ak matériel l'école yo, pi bien protégé kounye a. Façon nou Haïti Futur couvri pour nous, c'est nettement différent de façon nous même nous qu'on habitué couvri et qui qu'on fait vent, ouragan, cyclone qu'on fait nos victimes plus. Ça sont l'autre bagaille. Parce que et nous avons une forme de trapèze qui passe, faire yo, ou est-ce que c'est yo bien coffré yo, normalement avec ciment, et que après ça, quand tu as deux boîtes, deux par quatre, et là, normalement bien passé, côté que, et bien, et pas n'importe qui vent capable d'écraser, toi tu ça normalement. Yo te dit Titanic, c'est pas gagné caca Titanic. Nous te dit Titanic, t'es arrivé écrasé. Mais comme ça, à part de ça, Jean Haïti Futur couvre pour nous, nous espérons nous qu'à résister avec n'importe tant que tu es arrivé, parce que façon le fait là, au moins faut te caracher car la net pour partir Haïti Futur couvrir ta gain problème. Si on sait que l'on a passé sous toiture ça yo, garantie que m'kabao li ka chire tol là. Tol là ka vinn là chire tol là, mais ta du craser charpente là non pas ka craser charpente là. Les cavines là, les chiretol là, les volets qu'on fait tol. Mais quand l'autre bail qu'on vient de faire là, nous mettons des renforts métalliques qui se fait plaio. Et mais à cause de faire plaio, ils ont fait pas qu'à voler pour aller pour col. Si vous l'allez voir avec tout, ils ont aidé l'autre. C'est comme ça qu'ils font. Il y a un cyclone quand t'as comme Mathieu, ou pas, ou peut-être Jean Labvinien, les gens doivent enlever des toits faits tol. Mais pour craser toi, si nous mettons là, ils vont pas capable. Sauf peut-être Kaila, s'il pas de bon amati, Kaila ka krasé avec toi ti après te ferme jan te. Yon construction paracyclonique protège moun ak bien ki an dan yon kay. Yon trois ti paracyclonique construit ak bon matériaux et puis technique pour résister force vent ak cyclone yo. Haïti c'est un pays qui sous trajectoire cyclone. Chaque année sorti mois de juin pour arriver mois novembre, gen risque pour yon cyclone frappe pays ya. Ak réchauffement climatique yo, gen possibilité pour cyclone yo vini avec plus violence. Ki donc tout moun doit préparer pour réalité ça. Action Haïti Futur nan Camperin, Maniche ak Abriko permet an pile ti moun rentrer l'école pressé. En plus construction trois ti l'école yo, association a produit une série de ti capsule vidéo qui explique professionnel construction yo technique pour yo construire paracyclonique. Association mette vidéo sa yo à disposition tout professionnel construction gratis. Moi crois que expérience ça nous fait même si une expérience et qui était longtemps parce que nous pas continuer là-dedans puisque faut nous retourner dans le domaine nous m'espérer que expérience ça a servi et toute population et toute zone qui intervenue même l'autre zone pour c'est de bagaille pour apprendre et puis pour nous connaître tout plutôt nous travailler en pile avec boss traditionnel yo puisque c'est eux qui là même si n'a pas formé ingénieur n'a pas formé l'autre et technicien en construction, mais boss traditionnel yo, c'est yo que société a, que population a toujours fait appel à yo, c'est yo plus proche moun yo tout. Donc plutôt nous-mêmes nous faisons un travail pour nous former yo, retourner utiliser l'école et formation professionnelle là pour nous bayo valorisation et expérience professionnelle. Ak nouveau trois types paracycloniques yo, parents yo gen pi bon garanti si moun yo a protégé an dan l'école yo le gen mauvais temps.
L'école qui couvre yo a capable de servir tout comme abri provisoire pour protéger la population qui dans la communauté yo contre gros vent et la pluie cyclone. Thank you.